je reviens à l'école et puis elle me dit, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Elle m'a dit, madame, j'ai le goût de monter un site internet. Là, j'ai dit, bon, et laisse-moi dormir là-dessus, parce que c'est beaucoup de travail, un site internet. Et l'idée, c'était de rejoindre le maximum de jeunes au Québec. De sorte que, vous savez, madame, c'est la famille immédiate qui décide. Alors là, on a même problème. C'est même Cécile. Oui. Donc, l'importance de t'en parler. Ah. Et là, comme c'est un sujet qu'on on parle, on peut pas me parler de ça. Mais pas une question. La loi qu'on a adoptée ici même à l'Assemblée nationale, c'est M. Cusano. M. Bill Cusano, ça a été le promoteur. Oui. M. Dondorgan, il était depuis le bio, vous connaissez, vous en avez parlé. Hein? Puis moi, il m'a sensibilisé, M. Cusano, et j'ai toujours donné mon appui entier. La loi va passer loin encore. Non, moi, tout ça, ça change pas. Ça change pas. En fait, ce qui arrive, c'est que, madame, arrête, c'est que ce qui est important, c'est que le sujet soit amené dans les familles, qu'on en discute, puis ensemble, pour quand ça arrive, c'est tellement émotif. Pour pouvoir prendre la décision, si on en a parlé déjà à la maison, qu'on a ouvert là-dessus, et ce que les jeunes se proposent de faire, parce que là, on a lancé le projet, ce que les jeunes proposent, de notre site qui va être lancé, on travaille avec Hébert, on veut lancer des écoles Hébert au Québec. Les écoles Hébert, ça va être des écoles qui vont avoir promouvoir des activités de les écoles Hébert, ça va être des écoles qui vont en faire une priorité, et grâce au site, toutes les activités pédagogique, avec des beaux petits vidéos, vraiment le fond. On peut vous en montrer un. Parce que quand on fait un, on peut les aider le réseau. Je veux dire, c'est bien évident qu'il y a beaucoup de préjugés. Oui. Hein? Et c'est toujours la même question. Pourtant, M. Cusano, souvent, me répondait à cette question. Est-ce qu'il y a un âge pour faire un don? 14 ans. Non. Non. Est-ce qu'il y a un âge médicalement parlant? Est-ce que vaut mieux avoir des organes jeunes que des organes vieux? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mettons juste... à 60 ans. C'est parfait. Un foie moins bien qu'un foie de 30 ans. C'est ça qu'on veut donner, c'est cette information-là. Ce que vous donnez comme information, comme question, j'ai un spécialiste, comme nous, on fait l'Institut cardiologie, un docteur va parler. La question au niveau de les religions, le pape il approuve, tu sais, tout ce que le pape a dit, Jean-Paul II, son discours. Alors, on va faire des petites vidéos courtes, touchantes, mais qui donnent vraiment la bonne information pour rassurer. Et tout ça, notre stratégie qui va faire qu'on va pouvoir toucher tous les élèves de camp, tous les enfants du Québec qui vont passer dans le système vont être sensibilisés. Parce que les ministres qui vont aller en parler, ils sont obligés d'en parler, signer, puis après ça, encouragés par un cadre virtuel, ils vont informer. Moi, je crois énormément à la transmission par les enfants, les jeunes, des valeurs nouvelles, entre autres l'environnement, on l'a vu dans un passé récent. Là. Puis, donc, vous dites qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Le médical, tout ce qui est démontré, les docteurs, ça arrête pas de le dire, il n'y a pas d'âge pour ça. Je sais, je l'ai entendu. Je suis allée à toutes les rencontres qu'il y a eu ici à l'Assemblée sur le monde organe. Moi, j'avais signé, j'ai fait signer. Mais je me disais que la loi n'allait pas assez loin parce que la loi ne présume pas. Ouais, c'est ça, ce sont des voies à lui. Ça, ce qui vient avec le débat, c'est l'éducation. Lui, il essaie à grandeur du Canada de faire changer cette loi-là. La loi au Canada, elle est provinciale ou elle est fédérale? Nous, c'est une loi québécoise. Oui. Ailleurs, c'est fédéral. Oui, c'est provincial. C'est toujours provincial, les 10. C'est sûr que s'il y avait une loi comme dans tout, une loi avec un programme de sensibilisation, mais là, le programme de sensibilisation par les écoles, s'il y avait cette loi-là, mais vous savez, ensemble, les pays qui n'ont pas ce programme de sensibilisation-là en même temps que la loi, Même si on présume. Parce que. Présume, mais il reste quand même, c'est la famille immédiate et tout. Hein? Le problème, c'est que dans tous les conditions, c'est pas accepté. Pour mon fils, c'est impossible. Mais on a parlé beaucoup de même. Ouais. On parle avec lui. Le succès, c'est de parler. Et comme la rituelle, on est dans un tourbillon, c'est un peu
si on veut postuler, les parents peuvent décider. Oui, oui. Oui, 40 ans, surtout, c'est la famille Mézage qui décide. Alors. Et vous-même, c'est posé à Québec, là? Moi, je suis à Montréal. À Montréal? À l'Institut? Oui. Ah, oui. Moi, j'étais première sur la liste du Canada pendant 6 jours. Moi, j'ai été agente. Donc, pas mal de filles ou de suspects qui ont été. Non, je voulais de vous appeler tout le monde. I did to a commercial course in English, and it's free to have to be. My intention was to do this for everybody here, so everybody can talk. Not for me, this was for my friends. Okay, but... She's doing a project, aren't you, Simone? You can talk to her about her project. Oui, mais c'est un projet, c'est mon projet de fin d'études au Collège Saint-Charles-Garnier. Donc, je fais pendant toute l'année, j'ai plusieurs cours, donc je dois mettre au point un gros projet d'une trentaine de pages. Donc, j'ai décidé d'essayer d'en comprendre, de me sensibiliser plus là-dessus. Donc, avec mon projet de pouvoir, ben, ça va être un gros document, donc ça va pouvoir sensibiliser aussi les autres gens d'une façon que moi, je vais l'écrire, donc ça va être accessible aux autres jeunes de mon âge. Donc, venir ici, ça va pas mal aider à ça, là. Mais moi, j'avais une question sur le consentement présumé. Même le consentement présumé, est-ce que la famille a encore le... C'est la famille qui décide quand même? Oui. En Espagne aussi. Donc, même le consentement présumé... Non. 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 Donc, présumé le don... Et tu signes si tu le refuses. Mais à ce moment-là, ils ne demandent pas le consentement de la famille. À ce moment-là, en Espagne. En Espagne, what they do different there is the people that ask are specialists. They are trained specifically to ask. Because sometimes here in Canada, they're not trained to talk to the family at that moment. Ah, et là, vous m'avez dit que dans le